décrire en fait ce qui s'est passé plutôt que essayer de conserver, mettre dans du formol. Donc les dernières. Encore en hausse dans l'école de design Estévolux. Et puis le soir, on avait un temps d'échange, mais vraiment en mode discussion autour de bricoler aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, avec des intervenants chercheurs comme l'architecture, le lycée Livette, l'école de design et l'IUT, l'université de Nantes. Donc les dernières. Lisa, Léonard de Vinci. Et depuis quelques mois, l'école Brassard, le lycée RIFL et l'école supérieure des métiers artistiques. On a une plateforme en ligne, on organise des rencontres, 4 rencontres, une sur FabBad Junior qu'on vient de voir à l'instant pour propriété intellectuelle et vie privée sur Internet, au Mans, sur les tiers-lieux, orthographie, et lieu de médiation numérique en Pays de la Loire. Je ne vais pas vous faire une démo là tout de suite, mais en somme, ça permet de visualiser les lieux qui sont présents sur le territoire et en même temps leurs activités et leurs actualités. Science et art, le lieu unique, et durant laquelle on a accueilli du coup 5000 personnes en 10 jours. Science et art, c'est comment on conserve une œuvre d'art qui est basée sur une technologie qui est plus accessible l'année d'après. Donc science et art, des projets artistiques qui viennent un petit peu nous aider à prendre du recul. Science et art, on est un peu sur une espèce de branche. Et... Projet d'intérêt général, de l'effervescence des projets dans les territoires. Notre espace pour ping dans sa globalité. Bah, c'est un peu le résultat de 10 années de ping. Un souhait de changer quelque peu notre identité, la simplifier aussi. Ne pas perdre évidemment nos valeurs. Le fait qu'il y ait plein de gens, plein d'adhérents, ça prouve qu'il faut qu'il y ait plusieurs lieux et différents lieux. Donc c'est quand même une part assez importante de notre activité.